Je m'appelle Christine Baribeault, je suis la directrice environnement du site canadien de Malartic. Moi, je suis originaire de Val-d'Or au départ. Donc, Malartic, j'ai toujours connu ça depuis que je suis petite. Je suis de la région. J'ai entendu parler du projet Osisko. J'ai décidé de m'impliquer parce que c'est un beau, gros projet. C'était nouveau, c'est une nouvelle approche. C'est le côté développement durable aussi. C'est un projet qui est dans la communauté. Moi, je voulais faire ça pour être capable de voir comment qu'on peut améliorer le côté environnement. Bien, nous, il y en a plusieurs tests qu'on fait. Dans le secteur qu'on est ici présentement, c'est le bassin de polissage qu'on appelle. Donc, on prend beaucoup de tests d'eau pour s'assurer que nos rejets environnementaux respectent les normes. On fait aussi des tests sonores à plusieurs endroits dans la ville. Donc, on s'assure que nos activités minières, autant de jour que de nuit, ça respecte la directive 019 qu'on appelle. Donc, c'est une norme environnementale qui est québécoise pour respecter les citoyens de Malartic. On prend aussi des tests de poussière dans la ville de Malartic. Donc, on s'assure que nos opérations ne génèrent pas un surplus de poussière qui pourrait affecter, dans le fond, la qualité de vie des gens. Quand il y a des sautages pour aller chercher notre art, on a des systèmes de monitoring en ville. Donc, on prend autant les vibrations que les surpressions d'air. Ça, on a 7 endroits dans la ville, un peu partout. On prend ça, puis on s'assure que la mine respecte bien, là aussi, les normes pour ne pas affecter les fondations des maisons, par exemple, ou la qualité de vie des gens. C'est ça qui est le fun. C'est pas un travail seulement environnement, c'est pas un travail de police dans notre coin. On doit vraiment interagir avec toutes les personnes qui sont sur le site. Mon objectif de carrière, dans le fond, c'était être dans des industries, mais essayer de minimiser le plus possible l'impact environnemental, donc s'assurer qu'on fasse ça bien.